Bon, on va attaquer. Bonjour à tous. Merci d'être venus voir ce programme aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme, je suis le managing partner d'Artefact en charge de toutes nos activités dans le retail. C'est une grosse partie de l'activité d'Artefact. Artefact, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation par la data des grands groupes. On existe depuis 8 ans et c'est une trajectoire de croissance absolument phénoménale puisqu'aujourd'hui on est 1000, on a 18 bureaux dans le monde. On est ravis d'être à Tech for Retail aujourd'hui à l'invitation de Pascal Clouzard. Alors Pascal Clouzard, ça a été le premier client d'Artefact à la création d'Artefact, donc de son temps chez Carrefour, avant d'organiser des magnifiques événements comme celui-là. Et on est très fiers que depuis ce jour-là, il ne s'est pas passé un jour sans que Carrefour soit client d'Artefact. Aujourd'hui, on est venu vous parler un peu d'autre chose. Donc je suis accompagné d'Elina Ashkenazi, qui est l'ancienne directrice du Carrefour Google Lab et qui a rejoint nos équipes il y a un an maintenant. J'aurais eu l'immense plaisir de vous présenter Dragan Merkadjic, qui est le directeur de la transformation du groupe dont on va vous parler aujourd'hui. Malheureusement, Dragan a été retenu à la maison par le mal du siècle, la Covid qui l'a empêché de prendre l'avion. Donc il s'excuse, il est désolé de ne pas pouvoir être là.
On va essayer de ne pas lui faire honte en lui racontant ce beau programme dont il est le papa. Alors pourquoi on a choisi de vous parler de ce programme aujourd'hui ? C'est pour illustrer un point qui est assez important, c'est un point de démocratisation. On a beaucoup de clients qu'on contacte et qui nous disent « Oh là là, la data transformation, c'est pas un truc pour moi, trop compliqué, c'est un truc de très très grosse boîte, ça prend du temps, j'ai pas l'investissement. » C'est un truc de grand et moi qui suis un petit, je peux pas me le permettre. Ben là, on a un cas sur une boîte que Elina va vous présenter, qui est une boîte très très grosse à l'échelle des Balkans. Donc c'est le plus grand retailer des Balkans dans les 5 pays. Mais les Balkans, c'est petit en termes de marché économique. Donc quand on est le plus grand des retailers alimentaires et de très loin, c'est 10% du PIB de la Croatie, juste cette entreprise. Donc c'est vraiment énorme. Mais c'est 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc à comparer à un 80 milliards pour un Carrefour, par exemple. Donc ça reste des acteurs modestes qui ont des moyens, qui ont les moyens qu'ils ont. Et on les a engagés dans un programme de transformation depuis le 1er février 2022. Et on va vous expliquer comment, en 6 mois, on a monté une data plateforme temps réel, une équipe de 70 personnes qui livrent des cas d'usage, qui sont aujourd'hui en prod dans les magasins. Et c'est une illustration de qu'est-ce qui a changé dans les technologies qui rendent possible ce genre de transformation à cette vitesse-là et qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les ingrédients qu'il faut pour faire un programme pragmatique qui va vite et qui délivre de la valeur massivement à l'échelle. Et Elina, si tu veux prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu de contexte de ce projet. Comme Jérôme l'a dit, Fortenova Group, c'est un des plus grands retailers en Balkans, mais pas que retail. Ils ont aussi des activités de production des produits PGC. Donc, en l'occurrence, pour faire une petite démonstration sur leur bouteille d'eau en couleur de Croatie, ils ont très grand fan de foot. Et également, ils ont une grande partie de leur business qui est aussi tout ce qui est agroalimentaire, donc le business assez complexe. Ils ont plusieurs bannières, dont le retail. Donc là, vous imaginez déjà différents pays, différentes bannières, différents formats de magasins. Bien évidemment, les systèmes IT qui sont différents, l'entreprise qui était construite par consolidation. Et voilà, le reste, toute la complexité qui vient avec est assez claire. Comme beaucoup de retailers, ils ont fait tout à fait le même constat. On est data riche, on récupère beaucoup de données, déjà commençons par les transactions. Ils ont un programme de fidélité avec taux d'encartement au plus de 50%. Mais ils ont déjà fait des premiers pas nécessaires, donc ils ne partent pas de rien. Ils ont déjà des data warehouses qui étaient installées dans tous les pays. Mais encore une fois, ils se rendent compte assez rapidement, surtout quand ils commencent à voir ce qui se passe autour. Ils ne sont pas du tout prêts de faire les chemins vers data monétisation. Ils ne profitent pas suffisamment de tout ce qu'ils savent. Il reste encore énormément de travail manuel. Et un des cas d'usage très très simple, encore une fois, tous les retailers vont s'y reconnaître. Je suis un patron de la marchandise, je vais aller voir Procter & Gamble, Danone, Unilever, et je passe des jours et des jours pour récupérer toute l'information sur qu'est-ce que je vends réellement de ce fournisseur. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà un constat et ça déjà devient un problème d'un CFO de marchandise group. Donc on va faire des changements. On veut rendre vraiment entreprise data-driven, que toutes les décisions du bas en haut se font avec le data, par la data, grâce à data. Donc, comme entreprise est relativement petite, pas beaucoup d'expertise, ils ont décidé, c'est aussi le moment de faire le premier move to cloud. Donc, c'était Google qui était sélectionné comme le fournisseur cloud et Artifact, justement, pour aider à mettre en place ce programme. Donc, c'était un grand honneur pour nous. C'était sélectionné après un procès qui a duré, je crois, 18 mois de sélection. Et c'est aussi grâce à toute l'activité qu'on a déjà dans le retail qu'on a pu aussi se positionner sur ce projet. Donc, c'était ça le contexte. Donc, on a démarré le 31 janvier 2022 avec ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place comme un peu le morceau clé pour passer cette transformation? Donc, on a encore une fois, on a parlé, ce qu'on envisage, c'est vraiment data-driven decision-making dans tous les jours. Donc, ça veut dire que n'importe quelle personne dans l'entreprise doit avoir accès à ce qu'il faut à cette personne, vraiment à une petite touche, à un petit clic.
Et nous, on le voit comme trois choses principales dont les gens ont besoin. C'est toute la première partie, juste simplement accès aux données qu'il faut. Et c'est ça ce qu'on appelle « data as a service ». Deuxième partie, c'est probablement les KPI autour de performance des magasins, des produits, des fournisseurs, de stock. Et ça, on appelle le « KPI as a service ». Donc, encore une fois, là, on voit une étape plus loin. Donc, on ne voit pas juste des rapports et des données non traitées. Vraiment, on essaie de construire, réfléchir qui sont les analyses dont les gens ont besoin au quotidien, on le rendre disponible. Troisième, c'est la partie la plus avancée, c'est tout ce qui est analytics avancé. Comment on peut utiliser tout ce qui est AI et machine learning pour donner des insights beaucoup plus puissants. Donc là, on a sur le prédictif, donc la prévision des ventes, recommandation d'assortiment, analyse de performance de promo. Donc ça, c'est ici que se retrouvent tous nos cas d'usage. Pour rendre ça vivante, du coup, on a mis en place plusieurs blocs. Le premier, c'est Data Stack, donc vraiment Data Stack moderne qu'on a fait avec grâce à la technologie Google. Data Governance by Design, donc ici, effectivement, on a fait un audit d'entreprise, on a développé leur feuille de route data, mais au-delà de ça, tous les jours, dans ce lab qu'on a construit, on fait Data Governance by Design. Tous les jours, sur chaque projet, sur tout ce qu'on fait, on met en place des bonnes pratiques de data governance pour inspirer l'entreprise et pour montrer la puissance. Ensuite, bien évidemment, il fallait bien réfléchir à comment on va combiner les cas d'usage, la data governance, la partie change management, qui va travailler sur quoi, comment les gens vont faire leur quotidien. Donc ça, c'est le modèle opérationnel et change management vraiment à partir de day one. Je pense que je ne vais vous rien apprendre en disant que tout vient de là. Et c'est aussi un gros bloc de notre travail. Donc pour faire un premier zoom, donc bien évidemment, on a déjà tous vu et vécu les entreprises qui essayaient de se lancer dans les grands sujets un petit peu hors sol. Ici, comme Jérôme l'a dit, c'est pragmatisme. Donc on est sur le cœur d'activité d'entreprise, sur le cœur de réacteur. Donc c'est le supply chain et gestion de l'offre. Les trois premiers cas d'usage qui étaient donc été lancés sur tout ce qui est autour de assortiment, d'optimisation d'assortiment. Donc aujourd'hui, travail largement manuel. Il faut ouvrir 25 fichiers différents pour récupérer des morceaux de formation, très influencés par les fournisseurs. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités d'amélioration. Deuxième sujet, c'est optimisation de promotion. Fortenova, comme beaucoup d'autres retailers, un grand point de leur activité vient de promotion. Encore une fois, comme beaucoup de retailers, on répète les mêmes promotions une année sur l'autre sans savoir vraiment est-ce que c'était un bon promo, est-ce que j'ai vraiment gagné des clients d'argent. Pareil, toutes les mêmes problématiques sur une période très courte. Quand on fait les forecasting de vente promotionnelle, on a une tendance de se tromper beaucoup plus, ce qui génère beaucoup de frustration de nos clients. Et le troisième stream, la grande classique, c'est prévision des ventes. Et ils ont commencé par s'attaquer à toute la partie fraîche, qui est encore plus compliquée à gérer. Alors, peut-être pour faire une petite pause là, c'est insister sur un building block important quand on veut être pragmatique et aller vite, c'est choisir ses combats. Parce que ces combats-là, donc les combats qu'on a choisi de livrer en premier, c'est notre boussole sur tout ce qu'on fait. Donc on a construit la stack au service de ces cas-là. On a construit la data platform au service de ces cas-là. On a servi le change, les outils de BI au service de ces cas-là. Et donc c'est vraiment radical focus sur un petit nombre de sujets dont on sait qu'ils sont fondamentaux. Ce ne sont pas des sujets accessoires, on n'est pas là pour faire briller les yeux des actionnaires et des dirigeants de Fortenova, on est là pour créer de l'EBITDA massivement. Et donc, le premier building block, c'est focalisation. Là, c'est 3, plus de 5, ça commence à être casse-gueule dans notre expérience, et vont surtout éviter, pour ceux d'entre vous qui vont s'embarquer ou qui se sont embarqués dans des programmes comme cela, d'avoir 25 projets différents, dans des directions différentes, avec des équipes différentes, avec des agendas différents. Donc, un radical focus sur un petit nombre de sujets fondamentaux. Et du coup, justement, comment on attaque cette partie, ils ont plusieurs pays, plusieurs bannières. On commence par sélectionner un scope sur lequel on fait notre MVP. Donc, typiquement, sur le projet assortiment, optimisation d'assortiment, on commence par la Croatie et on travaille sur toute la partie PGC. Le deuxième projet, optimisation promo, on prend Serbie et on fait ce travail sur la Serbie tout en gardant en compte les différences des potentiels des process et peut-être quelques décalages sur le donné et ensuite on scale. Donc on commence toujours par de petits bouts et justement pour embarquer toute l'entreprise, on a fait exprès pour choisir vraiment différents pays, différentes équipes pour commencer à faire découvrir le monde de data.
Donc ça, c'est, on a parlé de Modern Star Technique et j'utilise les mots comme moderne et élégant. Elle est vraiment élégante, ces solutions. On est extrêmement fiers. C'était quelque chose qui a été mis en place très rapidement, 3 mois to Insights. Très, très simple. Donc vraiment, on a 3 langages. On a juste vraiment 3 outils principaux. Donc GCP, DBT et Terraform. Et même sur le GCP, on utilise uniquement 5 services. On a une toute petite équipe, 3 personnes, bientôt ce sera 2 pour le maintenir et faire évoluer. On n'a quasiment pas de soucis, pas de downtime. Bien évidemment, avec mise en place de toutes les FinOps, ils ont un contrôle parfait par tout ce qui est utilisé. Donc bien évidemment, très facile à partager le budget entre les différents pays, à louer le budget et voir où on est. Donc ça, c'était vraiment... Et encore une fois, comme Jérôme l'a dit, on a commencé par ingérer uniquement les données qu'il nous fallait pour le traquer d'usage, mais vous avez vu nos cas d'usage, donc du coup, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour faire le data transfo dans le retail. Alors, deuxième pause sur les leçons, les recettes. C'est hyper important d'être lean and mean dans le choix de la stack, parce que, encore une fois, nativement, ce client, il n'est pas très versé dans la tech. Il découvre ce monde-là. Donc, plus vous allez multiplier les technologies, plus vous lui compliquez la vie à l'issue. Donc, c'est volontairement très, très simple dans le choix de la stack. Le deuxième sujet, c'est qu'on a fait vraiment maximiser l'usage des services managés par le provider de cloud par rapport à manager soi-même du déploiement de ressources, du réseau et ainsi de suite. Ça, c'est renvoyé dans les services de Google qui scale les solutions un peu derrière le rideau, dans les coulisses, sans que les équipes de Fortenova aient en s'en préoccuper. Et c'est un peu cette nouvelle génération de philosophie de ces stacks, avec beaucoup de services managés, mais c'est vrai de Google, mais c'est vrai de ses concurrents en la matière, qui sont aussi des partenaires d'Artefact. Et ça, c'est vraiment un très très gros grain de temps. Et l'autre truc magique, alors j'ai pas de part chez eux, mais DBT, c'est un outil génial. Donc DBT, c'est un outil qui permet de faire la transformation dans la plateforme. Donc avant, dans le monde d'avant, on avait des ETL qui allaient chercher de la donnée dans les sources, faisaient de la transformation dans le tuyau et déversaient dans un data warehouse la donnée transformée, qualifiée. Le problème, c'est que toute l'intelligence est dans le tuyau. Donc faire remonter l'intelligence, les métadatas, la documentation, il faut brancher tous les tuyaux de façon intelligente à votre plateforme. DBT, c'est un outil qui fait ELT, donc c'est les mêmes lettres mais dans l'autre ordre, c'est-à-dire qu'on charge d'abord la donnée et on la transforme une fois dans la plateforme. Donc la donnée brute est là, donc quels que soient les cas d'usage que vous voulez faire à l'avenir, notamment de machine learning un peu plus sophistiqué, il faut avoir de la variété, de la masse de données, la donnée est disponible, vous pouvez la travailler. Comme la transformation se fait dans la plateforme, la gestion d'accès est native et surtout la documentation est native. Donc toute la transformation qui est faite dans cette plateforme, elle est automatiquement documentée à la disposition des utilisateurs derrière qui peuvent comprendre précisément, quand ils regardent une data, d'où elle vient, quels sont les problèmes, est-ce qu'il y a eu des pannes, et ainsi de suite. Ah, et dernier point, et j'en conclue sur ce slide, c'est everything as code. C'est un truc hyper important. Quand on déploie des ressources, on écrit du code. Quand on crée une ressource data, une table, un accès, on crée du code. Quand on donne des droits d'accès aux gens, on crée du code. Et c'est comme du code. Git, on fork, on propose à la communauté la validation et une modification. Pull request, c'est validé, ça passe. Tout le monde parle dans le même langage. Les gens qui fabriquent des produits, les gens qui déploient des infrastructures, les gens qui déploient de la documentation, tout le monde parle le même langage. C'est un énorme facilitateur d'avoir la même logique dans tout ce qu'on fait. Du coup, la prochaine brique extrêmement importante, data governance. Donc encore une fois, je sors ici de la question vision et stratégie pour l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on appelle data governance by design. Donc comment faire en sorte que tous les best practices sont vraiment implémentées dès le premier jour. Donc, comme Jérôme l'a dit, on est obsédé par Everything as Code. Donc là, on a Documentation as Code à travers l'usage de DBT. Nous avons créé des instances spécifiques pour ce qu'on appelle, c'est les instances qu'on appelle Goldenification. C'est vraiment goldenifier les actifs qui ont construit à travers des cas d'usage. Par exemple, dans le cas d'optimisation d'assortiment, on a construit l'approche et les données nécessaires pour construire des unités de besoins consommateurs. C'est quelque chose qui va être utilisé à travers l'entreprise. Ce n'est pas que pour l'assortiment. Les équipes supply chain, s'ils ont en rupture, elles veulent savoir par quel produit je remplacer ça. Donc, ils ont aussi besoin de ça.
de savoir le client qu'est-ce qu'il trouve comme produit substituable. Plutôt qu'avoir chaque équipe construire son propre active, référence fois magasin fois jour, bah, c'est quelque chose qui est construit une fois, il est goldenifié et ça devient vraiment la seule source de vérité. Donc on a des équipes qui font que ça et chaque équipe sait qu'à la fin de... Tous les semaines, quand on a fait notre update daily stand-up du lab, les équipes qui viennent dire « Ok, on a un actif prêt à goldenifier et mettre donc les R2 ». Donc ça, c'est vraiment un très grand élément qu'on travaille tous les jours. La prochaine étape, c'est modèle opérationnel. Comment faire en jeu aujourd'hui? Il y a autour de 60 personnes qui vraiment travaillent dans le lab. Donc là, c'est hors toute la partie business, alors que chaque projet qu'on a lancé, il a un business sponsor, un business owner, un business expertise. Donc c'est le travail qui, en plus, les gens qui travaillent avec nous. Donc on parle de facilement plus de 100 personnes qui vraiment travaillent sur ces différents projets. Donc ça c'est aujourd'hui, c'est un système qu'on a testé plusieurs fois chez plusieurs de nos clients qui marche plutôt bien. Donc la première couche, c'est ce qu'on appelle la transformation board. C'est encore une fois, c'est les gens extrêmement seniors d'entreprise qui sont vraiment le sponsor de ces projets, à qui on voit une fois par mois pour lui dire où on est avancé, est-ce qu'on a les points bloquants. Deuxième, c'est vraiment la partie de management de quotidien du lab. Donc Jérôme et moi font partie ensemble avec les équipes à Fortenova. Et cet ensemble avec l'équipe Fortenova, c'est vraiment le cœur de notre philosophie. Notre travail, c'est aussi rendre notre client autonome. Donc il n'y a aucun projet qui est uniquement entre les mains d'Artefacts. Chaque équipe est équipe hybride. Et ça fait partie de notre engagement vers Fortenova de transférer leurs compétences et progressivement réduire leur dépendance sur nous ou sur les autres prestataires et devenir autonome. Donc on a aussi Data Governance Office. On a du coup nos équipes, nos feature teams qui bien évidemment travaillent dans le monde agile. On a l'équipe plateforme du coup responsable de toute la partie ingénierie transverse de notre plateforme. Et équipe change dont on a ce qu'on appelle une équipe BI Factory qui permet au-delà des grands cas d'usage du machine learning aussi rendre des données plus accessibles, plus facilement utilisables par beaucoup de monde d'entreprise. Donc ce qu'on trouve particulièrement challenging, c'est vraiment assurer que tous ces gens travaillent extrêmement bien ensemble. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien avec les bonnes instances, les bonnes rites, etc. Quatrième commentaire. Le principe de base ici, c'est industrialization by design. Le fonctionnement de cette équipe ne changera pas quand il y aura 50 feature teams. Tout est codé, toutes les rites. Toutes les façons de travailler, elles sont les mêmes aujourd'hui, elles ne changeront pas quand on aura 10 feature teams. Donc aujourd'hui, on a commencé avec 3, il y en a 6 déjà qui tournent en parallèle. En comptant ça là, qui est un très bon cas d'usage qu'on vous recommande si vous embarquez là-dedans, c'est comme une feature team, sauf que ces 3-là, ils font des gros cas de ML bien sexy, bien compliqués, bien rigolos, ça prend du temps. Ça, c'est une équipe qui fabrique de la BI en utilisant les datas qui ont été montées dans la plateforme au service de ces cas-là, qui les valorise de suite. Elle sort 3 outils par semaine. Donc c'est une autre, totalement autre temporalité. C'est la vitesse d'exécution et mettre à la disposition de l'entreprise de façon générale une vision qu'elle a de la data, elle est facile d'accès, elle crée de l'insight très très vite, elle crée de la valeur la semaine prochaine. Et je vais juste faire un petit stop sur le change management. Après, on va lancer sur le cas d'usage. Je pense qu'il ne reste que quelques minutes. Ça reste le sujet clé, c'est le sujet qu'on oublie très souvent. Mais voilà, sans change management, toutes nos solutions vont prendre mur. Donc dès le début, dès le premier jour de lancement de ce projet, on était assis avec le business à réfléchir ensemble quand cette solution sort et quand ces insights vont sortir. Vous allez les utiliser précisément comment? Quelle partie du process va changer? Est-ce que ça va rendre la vie plus difficile de vos équipes? Même ça semble contre-intuitif, mais parfois, vous les demandez de faire un plus de travail, le travail qu'ils ne faisaient pas avant. Donc ça, c'est les travaux pareils qu'on fait au quotidien, dès le début de projet, et on accompagne les déploiements des solutions avec les formations, mais aussi vraiment ces supports pour les changer du process. Je laisse maintenant la parole à Jérôme pour rentrer dans le détail dans un de nos cas d'usage en cours. Voilà, je vais vous montrer un cas, illustrer des 3 qu'on a fait pour vous montrer qu'on peut aller vite, on peut être pragmatique, on peut être rustique au départ, on peut faire les trucs sexy super vite. Donc le cas, c'est un problème de base du retail, c'est quel assortiment je mets dans quel magasin. Donc traditionnellement,
j'ai un système de typologie, je fais une sorte de clusterisation de mes magasins un peu a priori en disant celui-là il est plutôt en ville, celui-là il est plutôt rural, celui-là les gens sont plutôt riches, celui-là les gens ils ont plutôt besoin qu'on les aide sur leur budget. Et par rapport à ça, donc il y a un gars, catégorie manager, qui va fabriquer plusieurs versions d'un assortiment de bière, de lessive, whatever. Il y a un autre gars, area manager, qui va dire « Ok, alors le magasin de Zagreb, bruit machin, on va mettre la version 3 de l'assortiment, le magasin ici, enfin. » Le problème de ça, c'est que vous rentrez les contraintes a priori. Et les contraintes sont vraiment fixées a priori. Je pense que c'est un magasin plutôt populaire. Je pense que c'est un magasin plutôt riche. Je pense que ce truc-là va marcher. C'est très fait, basé sur la conviction et l'expérience, le savoir-faire d'humains. Qui sont variés, ils sont pas tous expérimentés, donc on parle d'humains, il y a des nouveaux, il y a des gens qui arrivent, ils apprennent le métier, ils font pas toujours les meilleures décisions, donc faut les aider. Donc comment on les aide? Kylian, tu peux passer à la slide s'il te plaît? Vas-y, passe à la slide suivante. Comment on les aide? Première question, c'est comprendre la demande. Donc on a un algo qui tourne et qui va indépendamment de la structure de gamme du client, de sa hiérarchie produit qu'il a effectivement codé dans ses systèmes, il va classer les produits. Classer les produits en unités de besoin. Donc je décompose, c'est du clustering hiérarchique, c'est très classique dans le monde du retail, nothing fancy. Donc on calcule de la distance entre les produits pour se dire est-ce que ce produit cannibalise celui-là, oui, non. Est-ce qu'il sert le même produit consommateur que non. On se base uniquement sur les transactions. On regarde les clients qui achètent les mêmes produits de temps en temps, enfin les deux produits considérés de temps en temps, mais ou ceux qui consomment que l'un et jamais l'autre, ainsi de suite. On fait le même raisonnement au niveau du client, du panier. Donc les paniers dans lesquels il y a du Pepsi et du Coca, c'est probablement pas exactement la même unité de besoin, sinon pourquoi le gars en achèterait deux différents. Par contre, dans mes paniers, il n'y a jamais du Pepsi et du Coca. Il y a ou du Pepsi ou du Coca. Donc c'est probablement, puisqu'ils sont assez proches, des produits qui se cannibalisent. Et donc, et la troisième notion, c'est assez marrant, pour vous dire on fait des trucs sexy, on va analyser les paniers comme si c'était des phrases. On fait du NLP dessus, et on va chercher des synonymes. Donc ce produit, il est souvent dans des phrases qui ressemblent aux phrases dans lesquelles est ce produit-là. Ils sont proches, ça fait une distance... voilà. Donc ça, basé sur ces informations de distance entre les produits, on fait du clustering hiérarchique, ça crée ses arbres. La dénomination est attrapée automatiquement par les algos. Je vais chercher les attributs qui reviennent le plus fréquemment dans les produits qui sont proches. Ah, ça, c'est les thés aux fruits. Ce sont les thés aux fruits qui sont les plus souvent à ce nœud, ainsi de suite. Et donc, ça va aider les category managers, quand ils regardent leur gamme, à comprendre les produits qui servent les besoins. Et ils se rendent compte, oh la vache, j'ai 77 bières qui sont en fait exactement sur la même unité de besoin. Par contre, j'en ai une sur les 77 autres unités de besoin. Donc, il faut que je rééquilibre ma gamme pour offrir du choix plus largement dans les... Donc ça, c'est le premier truc que fait l'algo, enfin, le modèle ou une brique de modèle. Le deuxième, c'est, bon, c'est bien gentil, j'ai compris quel produit allait avec quel endroit, j'ai une distance, mais ma question, moi, c'est je veux personnaliser mes assortiments. Quel produit pourrait marcher dans un magasin alors qu'il n'y a jamais été vendu? On fait, encore une fois, du classique, mais c'est sexy en matière de machine learning, ça s'appelle du collaborative filtering. C'est exactement le même algo que Netflix. Moi je regarde plein ces films là et je les aime. Elina regarde ces films là et les aime. On va trouver le fait que on va pousser à Jérôme les films que Elina aime, que Jérôme n'a pas vu, et à Elina les films que Jérôme aime, que bref, vous avez compris. Donc ça, c'est le deuxième truc. Troisième truc et dernier truc sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que ces suites sont construites, ces solutions sont construites comme des briques élémentaires. On ne fait pas un produit qui sert un besoin. Donc on va construire une table pour ces besoins-là qui va juste consolider les performances des magasins par jour, par SKU. Ça intéresse tous les cas d'usage. Ce truc-là, puisque je l'ai fabriqué pour ce cas-là, je le garde et je le mets dans ce qu'on appelle la couche dorée de la data platform. Elle est disponible pour tous les cas d'usage et du coup, elle va être produite de façon industrielle désormais. Elle a été identifiée comme un actif clé. Elle va être produite de façon industrielle. J'ai des recommandations de la taille des rayons à faire. C'est une information qu'utilise tout le monde. Une fois que je l'ai fabriquée avec ma suite d'algo, je la couche, je la mets à disposition de tout le monde avec la documentation qui va bien, la gouvernance qui va bien. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le principe de ce modèle, c'est qu'il va en fait calculer les combinaisons d'assortiments qui maximisent le chiffre d'affaires dans un magasin donné en prenant en compte tous les effets. Les effets de cannibalisation entre les produits, les effets de halo,
quand je vends beaucoup de farine et de chocolat, ah ben, faut peut-être que je mette du sucre, parce que c'est probablement un gâteau au chocolat qu'on est en train de faire. Et les effets de pull forward. J'ai fait une grosse promotion, attention, les gens, ils ont stocké beaucoup, ils ont mis une palette de coca chez eux, ils ne vont plus en acheter pendant un certain temps, il faut que je factorise ça dans ma décision d'assortiment. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est penser ses produits, être pragmatique, c'est penser ses produits en briques élémentaires, ne pas se contenter d'avoir le ici, in fine, c'est un planogramme par magasin qui nous intéresse, c'est ça le produit fini, mais tous ces produits élémentaires, on n'oublie pas de les stocker et de les mettre à disposition. Donc voilà ce dont on voulait vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions sur lesquelles on serait ravis de vous répondre. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. On prendra une question et après, voilà. Bonjour. Du coup, pour cet algo, vous utilisez quoi comme outil, hein? L'algo, il est développé dans Python. Les pipelines sont faites dans Vertex AI, qui est une couche de GCP de Google, qui permet de gérer les pipelines. Et il est industrialisé. On fait le maximum de calculs possibles dans BigQuery pour des temps d'exécution. On utilise au maximum la stack, encore une fois, la stack de Google pour être le plus efficace possible. Je pense que malheureusement, on doit terminer, mais si vous voulez continuer cette discussion, on est au stand B47 ici. Merci beaucoup pour votre temps.